السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers et sœurs, nous continuons le bon hadith qui Imam al-Zahabi, rahimahullah, a mené de ce livre Al-Kaba'ir pour rappeler nous-mêmes concernant un grand péché, afin que, inshallah, si arrivé une personne une tombe là-dedans, il fait une tauba sincère et il quitte sa action là, ou il prend précaution pour ne pas faire sa action. Donc, arrive le 11e hadith, mais dire 11e action, nous continuons à Zodi 12e, sorry, j'arrive au 12e, nous continuons à Zodi 13e. Mais là, nous vous trouvons les parmi une action qui est dans la relation à nous la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'en 2e lieu, nous dit afin qu'il nous prend précaution. Chers frères et sœurs, bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala crée nous, insan, li manger, li boire. C'est pour ça que Quraysh Makka, de surah 25, surah Furqan, quand je t'ai montré qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pangait la prophétie, je dis, « Ma li hadha Rasoul yakulu ta'am » Qui a des prophètes ça? Il mangeait. Je vais penser, en tant qu'un prophète, il a mangé. Et qui au fait, il est de nature humaine. Qui a dit, il mangeait, il boit. Sa façon-là, et d'une petite chose qui vient, comme on nous dit, est sous-entendu. C'est quoi? C'est qu'il le fait qu'il te mange, tu n'as pas qu'à rester manger. Le fait qu'il te boit, tu n'as pas qu'à rester boire. Bizarre, il y a une partie là-dedans qui te l'éco consommer, il y a besoin. Et bizarre, il y a une partie qui les laisse aller. Ça même qui nous dit à la toilette. Et ça, il vient de Surah 5, Surah Al-Maïda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut causer avec nous, peut faire nous réfléchir, l'Orisa alayhi salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, Risa alayhi salam, et que son maman, Mariam alayhi salam, qui dit à nous, Kana yakulana ta'am, je tu peux manger, boire. Qui ne comprend pas ça? Le fait qu'il y ça, les salams, tu peux manger, boire. Donc, il y a un, il y a une toilette. Mais comment se fait-il que tu aies besoin de la toilette? Donc, sa question de consommation de la nourriture, il y a une question de réflexion, au fait. Et en même temps, nous avons un règlement concernant lui. Dans l'islam, c'est pour ça nous trouvons dans les fiqhs et dans un chapitre qui appelle concernant manger boire Kitab al-At'im, chapitre de la nourriture. Fini manger boire, nous venons avec boire, humainement parlant, veut dire une personne pour besoin de toilette. Et surtout de nos jours, que de plus beaucoup, nous servons les toilettes européennes. En même temps, c'est le fait que l'urine, c'est un liquide. L'urine, c'est un liquide. Et le liquide, quand il tombe quelque chose, il y en a sans splash.
L'urine najas, lien pur. Lien pur. Une personne, lui obligé purifier lui. Depuis sa action-là, avant de faire ibadat Allah, comme namaz, tawaf, etc. Mais seulement l'eau qui nous vient, chers frères, le premier hadith qui est avec nous, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, il dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, istanzihu min al-bawl, protégez-le contre l'urine, fa inna ramata azab al-qabr minhu, car c'est tellement plus beaucoup punition kabar. Veut dire plus beaucoup de monde qui veut punition dans kabar là, c'est la cause de l'urine. Et dans l'autre hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit bien de dire aktharu azab al-qabr min al-bawl, plus beaucoup punition kabar, c'est la cause de l'urine. Mais là, chers frères et sœurs, avant de nous continuer avec le point, depuis ce hadith-là, nous gagnons quoi? Nous gagnons la preuve qu'il y a une punition de Kabar. Kabar, c'est la place qui nous met un djimoun quand il meurt. Ensuite, il est transféré dans le monde des Barzakh. Donc, nous, pour nous comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala, par le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-nous quand nous disons le mot entier. Ensuite, quand tu viens de Kabbalastan, tu te rappelles l'akhirat. Oui, tu as une famille qui est entière là. Mais sinon, tu es dans le monde de Barzakh. Qui fait nous dire ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent dire où, peine à finition Kabbal. Ça qui nous appelle les autres, soit disant, Kouran Youn. Dieu, comme ça, parce qu'il n'est pas mentionné de Kouran, ça, Pinchon Kabbal. De là, quand nous guettons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans Surah Ghafir, soit 40, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, nous donne Ban Jimoun, qui était ensemble avec Pharaon, les pieds de punition. Anaru yuraduna alayha ghudwan wa 'ashiya. Dieu fait l'enfer, exposé à montrer ça tous les grands matins autour. Tous les grands matins autour. Wa yawma taqumu as-sa'a et jour qiyama adrilu ala fir'aun ashadd al-'adab. Nous fait Pharaon et Ban qui ensemble au lit, rendre la punition plus dure, plus douloureux. Donc, si il peut gagner une punition plus douloureuse, il peut être comparé, oui ou non, à qui punition? Ça qu'il est déjà fait gagner actuellement, veut dire de Kabbal. C'est pour ça qu'Ibn Kathir, rahimahullah, dit nous, sa ayat-là, c'est la base qui montrait Ban Jimoun qui le sunna dans notre argumentation concernant punition Kabbal. Punition Kabbal, c'est une réalité, frère. Pas dire mais dans cette place là, c'est le monde rêve. C'est le monde rêve. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous concernant Pharaon et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme hadith fin amené et un de bon hadith, c'est hadith Aïcha radiallahu anha. Une fois, une madame juive vient côté, elle mentionne punition kabar. Elle dit avec Aïcha radiallahu anha, qu'Allah protège toi contre punition kabar. Aïcha radiallahu anha dit, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin vini, mon demande, ya Rasulallah, il y a punition de kabar? Connais nous dire kabar là quand c'est la place qui nous met du monde là. Sinon, il gagne ça dans le monde de Barzakh. Qu'Allah protège nous avec nos familles. Sinon, il gagne ça dans le monde de Barzakh. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, oh Aïcha, certainement, punition kabar c'est une vérité. Ha. Mais c'est le mot de sa bout là. Les dire, et depuis ce jour-là,
Mopan trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un namaz, excepté qu'il y ait une siège protection avec Allah contre Pinchou Khabar. Pourtant, lit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, depuis sa jour qui sont madame, il pose une question, il y a une siège protection contre Pinchou Khabar. Ça pour montrer, nous, chers frères, surtout avant de nous faire salam, il y a combien de doigts viennent de plusieurs façons qu'on bat fitna, fitna al-mahya wal-mamad, fitna tout dajjal, fitna tout l'qabr, et razab l'qabr. Rod en de bande de plus, tigit mot, mais seulement suivant, principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas faire salam d'un namaz, excepté qu'il nous demande la protection contre le chokabar. Frère, c'est un seul jour, ça doit la finir accepter pour nous. De tous nos namans qui nous fait. De tous nos namans qui nous fait un seul jour, à l'accepter sa doua là pour nous. Fait une appli grand heureux qui ça du monde. Quand il dit ça, il va bien finir Chokaba. Si il pas bien finir Chokaba, il veut dire qu'il va bien. Il va bien faire qu'il y a de Chokaba. Et si ça vient facile, ça qui après vient plus facile. Il veut dire que ce jour qui est vient plus facile. Nous retournons avec nos sujets. Hadith qui nous fait guetter. Première petite chose qui enseigne nous, qui en dit moun, les bisins, fait bien attention aux prothèses li, et reste loin attention qu'il l'urine saute l'eau li exolèse. Oui, vrai. Fais attention. Parce que c'est là qui, dans din, de côté fiqh, nous avons istinja. Istinja, c'est quoi? Istinja, c'est après avoir qui un dimoun infini uriné, pas lui lave seulement sa partie là, non, mais lui faire sa petite urine qui possible rester à l'intérieur de ce partie, lui faire lui descendre pour lui laver. Parce qu'il est possible étant la personne levée, encore une petite redescendre. Ça gagne de solence. Sorry, je vous explique lire. Pas vint diamant ou guin. Parce que quand on rentre dans la cabane, on l'appli. Et dans la boue. Pas vint diamant tellement de guin. Quand nous pédions, c'est un diamant d'ordin. C'est sa action qui m'obligeait à être sûr. Qui, comme vous remettez mon linge là au moins, puis n'a aucune urine pour descendre. Oui, exception fait pour un dimoun qui est malade. La maladie, c'est une exception. Qu'il soit pour son namaz. Qu'il soit pour son. Ben les autres ribada qui viennent, qui tombent le lit, si tu n'es pas capable de faire la cause du malade. La maladie, c'est une raison concernant son oiseau. Si pas qu'à tous de l'eau, il fait un mouk. Maladie, c'est une exception. Donc, demain, il y a un dimoun, il y a un malade. Pour un moment, goutte-goutte sortir avec lui, il demandait. Parce qu'il y a un règlement, c'est pour. Mais pas pour lui qui nous peut causer là. Nous peut causer un dimoun qui est bien pour l'eau d'Allah. Mais ce n'est pas qu'à la tête lui. À la tête lui. Le travail, il fait du bout. Parce que vous connaissez le docteur de surtout pas de Michel là. Et dans ça qui fait 10 bouts, jusqu'à au poil grand tour qui va dire là, il y a la toilette. Sinon, mais tu pas pire. Parce que ça qui nous besoin prend compte là, pas dire nous, après ça, tu as besoin de faire namaz. Pas de manger tout ça là. Comprends ça bien là. Pas dire nous, attends, je dois faire namaz dans sa linge là. Pas de cause tout ça là. Qui dit nous? Parler sur une seule toi. Pas attaché avec Ibadat là. Veut dire en tant qu'un croyant, tu es bien propre toi. Il n'arrive les namas, pénal les namas. Tu es bien protège-toi pour l'urine pas saute. Pas saute l'eau toi. Tu es bien protège-toi pour l'urine pas gagner de ton linge. Sans aucun doute, les vins plissent. Si tu es arrivé, tu as fait namas avec ça, c'est-à-dire. Si tu as fait namas avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fathiyabaka fatohir.
te linge, te besoin purifier lit. Donc, tu n'as pas de purifier lit. Donc, tu n'as pas pour compter. Tu n'as pas pour compter. Donc, il a peine de te mettre toi là. Depuis ce hadith-là, comment nous fait que dire Alhamdoulilah, ça c'est la preuve que c'est l'urine qui est une impureté, qui touche l'écho endimoun ou bien sous l'inze, qui vient laver. Il vient laver, si nous sommes amas, pas pour compter. Si nous sommes amas, pas pour compter. Et là, laver, chers frères, il suffit de nous comprendre hadith qui fait nous concernant des enfants. Des enfants qui encore peuvent allaiter avec d'autres mamans. Moi, je dis à Dieu parce qu'il y a un règlement pour un garçon, il y a un règlement pour une fille. Un garçon qui n'a pas encore gagné 10 ans peut boire avec son maman. S'il arrive l'urine, il saute l'eau ou prend de l'eau ou avoir l'eau là. Mais pour une fille qui peut boire avec son maman, il n'a pas encore gagné 10 ans, ou besoin de laver. Ou besoin de laver. Ici, quand on peut dire nous laver, ou la vie, sa place qui nous gagne. Tant que cette fois-là, Chaiton gagne nous dans l'autre exagération, et dans le monde, ça coûte à la toilette, il vient baigner. Ça, c'est un truc, Chaiton, ce moment-là. Ça coûte à la toilette, il vient sans soin de wear. Ça coûte. Et s'il n'est pas la case, je veux dire, il pourrait se tenir jusqu'à l'arrivée. À la fin, qui arrive, lui. Il saute d'un extrême, il tombe dans de l'autre extrême. Un croyant, il reste au milieu. Comme ça même, nous faisons vivre un humain dans le juste milieu. Oui, mon toilette, je prends mes précautions. Je ne vais pas gagner le moins ni le molins. Je lave bien. Je suis moi, je mets mon linge, je fais mon amance. Je fais mon amance. Et non pas me faire vivre un règlement là au moins. Non, on connaît là mon plaisir. Après chaque namaz, il baigne sans instruire. Sorry. Après chaque coup de la toilette, il baigne sans solence. Là, il y a un autre extrême. Troisième, ça qui nous comprend, c'est quoi? C'est que la personne, les papes, ils prennent précaution. Lui, il prend précaution. Hadith, quand fait nous connaître, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin passe côte de Kabab et quand il finit dire est-ce qu'ils ont connu ça des personnes? Ils ont dit à un sahaba certainement ça dit là pas pégé en finition ça qui nous va dire nous trouve petit va dire nous banalise l'action là. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit quand t'as premier là les participes protègent les depuis son urine. Veut dire un sens de responsabilité qui retourne au nous, qui nous besoin faire des efforts pour protéger nous. Ça. Et que deuxième, c'est un dimanche que tu veux faire, tu veux faire namima. Quatrième et dernier, chers frères, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il peut dire nous protège nous, plus précisément quand ça est venu. Divine, nous la cru, c'est que nous la sommes. Divine, quand nous la cru, c'est que nous la sommes. Parce que c'est une place plus exposée quand un dimoun peut uriner, qui ça saute l'eau. Tout ça, une précision là, une savon qui nous a mené, depuis parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'un dimoun protège lui-même, frère. Et surtout, comment nous finissons, dit, alhamdulillah, depuis le début, c'est une action qui nous fait tous les jours. Il donne nous la vie. Mais seulement pas pour ni simple. Pas pour ni simple de quelle façon. Vous connaissez parfois, il y a des gens qui vitesse qui a la toilette là. N'oubliez pas quand ils sont sur la main sec, etc. Mais qui vitesse tu gagnes le temps, enlève ton linge, ton uriner, ton laver, ton sortir. Qui veut déstopper ça? Ça, chers frères, les retourne depuis
formation tarbiya qui nous donne nos enfants. Fais des comprendre ça. Ne pas t'order ni te presser. Fais bien attention qui ça passe le toi. C'est concernant l'urine, un dimon disait protège lui-même, sur l'ins, sur la jambe, sur la cuisse, pour ça pas sauter. Si n'arrive une sauter, lave-le, protection, c'est avant, et si n'arrive une gagne, lave-le, qu'il soit nous porte les cours, ou bien nous l'ins. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته